Good morning, Aleiden. Let's just go over the news. What am I going to mention? The people that are about to make the official sportish Simon Batloni, Michael Novikov, and Silir Fuat, Ruth Bat Claudine Traina, and Simcha Bat Masudi Betor Shachol Israel. Si vous souhaitez aussi d'aider les prochaines études de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Shvuot Perek Dalet Mishnah. Mashbiya ani alechem im lo tavou vetaiduni sheyesh li biyad ploni pikadon utsumet yad vegazel vaaveda. Shvuah she'enanu yodim lechaidut en chayavin elachat. Shvuah she'enanu yodim sheyesh lecha biyad ploni pikadon utsumet yad vegazel vaaveda chayavin al kol achat veachat. Mashbiya ani alechem im lo tavou vetaiduni sheyesh li biyad ploni pikadon chitin usorin vekusmin. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות אין חייבין אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני חיטין וסעורין וכוסמין חייבין על כל אחת ואחת. משנה relativement simple dans la mesure où on connaît déjà cette notion depuis le פרק שלישי. Là-bas on avait la משנה lorsque l'on jure qu'on ne va pas manger du pain du pain de blé, d'orge et de seigle, qu'on avait vu là-bas la notion de mettre, d'englober dans une seule joie, en jurant avec un seul serment, mais le fait de détailler ensuite fait que l'on met en facteur le mot joie pour chacun des éléments, de manière à ce qu'en fait on va transgresser chacun des éléments de manière indépendante et donc être rayable sur trois korbanot. On va avoir la même notion à présent avec la shvuat haedut. Deux cas de figure, la Mishnah va préciser, on lit, on traduit, on explique. Mashbiya ani alechem im lo tavou uteiduni sheyesh li biyad ploni pikadon utsumet yad vegazel vaaveda. Je viens et je vous demande, venez témoigner pour moi. Mashbiya ani alechem, donc je convoque au beddin, on fait la chevoie en bonne et due forme. Je vous assermente que si vous ne connaissez pas de témoignage qui puisse m'aider pour récupérer mon argent, ouais, de Mashbiya ani alechem, je vous assermente, imlo tavou uteiduni, que vous devez venir et témoigner pour moi, sheyesh li beyad ploni, que j'ai laissé dans les mains de un tel pikadon utsumet yad ve gazel vaaveda, quatre sortes de choses qu'il a chez moi, qui sont pikadon, c'est que j'ai déposé en gage un objet à garder chez lui. Tsumet yad, c'est une alva'a. D'accord, le Bartendra nous expliquera pourquoi ça s'appelle une tsumet yad. Ouais, chez Sam Beyado Mamon, le fait de mettre dans ses mains, c'est un mot utilisé par la Torah, donc on le réutilise ensuite. Tsumet yad, donc c'est une alva'a, c'est un prêt d'argent. Ouais, déposer en gage et prêter de l'argent, c'est pas la même chose. Déposer en gage, l'objet reste le mien. Lorsque je prête, je te donne quelque chose qui devient le tien, tu m'en donneras autre chose. D'accord, c'est une différence qu'on trouve dans plusieurs domaines de halakha. Ensuite, Vegazel, et aussi qu'il m'a volé de l'argent, l'Ixol, Gazel, et aussi Aveida, il a trouvé un objet qui était à moi, qui refuse maintenant de me le rendre. Donc en fait, Réhouven, il me doit de l'argent, il me doit quatre sortes d'argent. Pikadon, Soumetiad, Gazel, Aveida. J'ai quatre réclamations en fait. Donc je sais que vous savez, vous les témoins, vous savez, vous avez des éléments qui pourront m'aider à récupérer cet argent. Vous avez vu de vos propres yeux qu'il m'a volé, que je lui ai prêté, que j'ai déposé, et que aussi, à part ça, il avait trouvé hier mon beau stylo que j'avais perdu. C'est lui en fait qui l'a trouvé, il y a un siman dessus. Donc il est khayav, bachavat aveda. Donc venez témoigner pour moi qu'il est chez lui. Lui, il est en train de nier. Et eux, alors selon le cas, est-ce qu'ils vont... Donc les deux, ensuite, je vous annonce tout de suite la couleur, comme ça après on va le faire dans les mots, ce sera plus vite. Eux maintenant, lorsqu'ils vont nier, en répétant la chevoua, ou même sans répéter la joie, ça revient au même en réalité, même si la Mishnah va parler du cas où il a juré, il y a un Tosotiotov qui rallonge pour expliquer la raison, mais en tout cas ça revient au même, retenez que ça revient au même, qu'ils prononcent eux-mêmes la joie, ou même s'ils font que de nier. S'ils disent juste, je vois, Shainano Yodim Lecha Edut, nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage, sans préciser de quoi. Donc, ils nient, après que je leur ai réclamé quatre éléments, ils nient, en englobant tout en une seule chevoie. Je vois Hachéen, Anou, Yodim, Lecha, Edout. Dans ce cas-là, ils ont fait une seule chevoie. Ils seront passibles d'un seul korban. De chevoie, t'as Edout ensuite quand ils feront chuba. D'accord. Donc c'est ce que la Mishnah enseigne. Je vois Hachéen, Anou, Yodim, Lecha, Edout. En chayavin ala achat. S'ils ont dit, je vois Hachéen, Anou, Yodim, Lecha, Edout. Nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage qui puisse aider. En chayavin ala achat, ils ne seront passibles que d'un seul korban. Par contre,
S'ils ont répété chacun des éléments en disant Shvua, She'en Ano Yudim, She'yesh Lecha Beyad Ploni, Pikadon Utsumet Yad Vegazel Vaveda. Ils ont répété chacun des éléments. Pourquoi vous parlez aussi lourdement? C'est que votre attention, en fait, elle est de mettre en facteur le mot Shvua sur chacun des éléments pour prononcer en une seule phrase 4 Shvuot en même temps. 4 Shvuot, ça va vous faire 4 Korbanot. D'accord? Shvua, She'en Ano Yudim. Nous jurons que nous ne savons pas en ta faveur, chez Yeshlecha, que tu as chez lui, Beyad Ploni, chez un tel, Picadon, un dépôt, un objet en dépôt qui le garde, ou Soumet Yad, de l'argent emprunté, Vegazel, et le fait qu'il t'a volé, va Veda, et le fait qu'il a trouvé ton objet perdu, dans ce cas-là, Chayavin al-Kol Achat ve'Achat. Ils seront Chayab sur chacun indépendamment. D'accord? C'est la même notion, comme ce qu'on avait appris vraiment, si ça vous intéresse, revenons en arrière dans le Perek. Gimel, il y avait là-bas, si je me souviens, Gimel Bet, Gimel, il y avait deux Mishnayot, une sur, ouais, c'est ça, Gimel Bet, ouais, il y avait vraiment les deux Mishnayot, Gimel Bet et Gimel Dalet, où il y avait là-bas deux cas de figure, où ils juraient qu'ils voulaient ne pas manger du pain de blé, du pain de seigle, et du pain de... Ouais, c'est le même principe. De nouveau, on va retrouver le même, encore une fois, le même principe que la joie taille doute, mais avec, pour le moment, j'avais quatre sortes de réclamations différentes, et maintenant, on va découvrir encore un autre cas de figure où je vais être Hayav 4, 3, 4 Shvuot selon le nombre d'éléments, mais avec une seule forme de réclamation, mais avec plusieurs éléments dans une même réclamation. C'est-à-dire, par exemple, tout va être en dépôt, mais qu'il va y avoir un dépôt qui va inclure 4 sortes de pain. Un pain de blé, un pain d'orge et un pain de seigle, un pain d'épeautre. Et donc sur chaque élément, le même principe exactement. Il a fallu insister parce qu'on aurait pu croire que cette fois-ci, ça s'appelle une seule réclamation. Donc c'est un seul témoignage. Un seul témoignage, ouais. Donc un seul témoignage, on aurait pu dire que c'était cette fois-ci, là, ça s'appelle une seule chevaux à taille doute. Et ben non, chaque élément qu'ils vont prononcer, indépendamment, rendra chayav d'une chevaux à taille doute. D'accord, regardez dans les mots. Je vous assermente. Je vous impose de venir et de témoigner pour moi. Chez Yashli Beyad Ploni, que j'ai dans les mains d'un tel, Picadon Chitin Us Orin Vekusmin, que j'ai mis en dépôt chez lui du blé et de l'orge et de l'épeautre. Kusmin, c'est l'épeautre, si je ne me trompe pas, ou l'avoine, le seigle. Ouais, je ne suis pas grandi à la campagne, désolé. Donc, je vois chez Anano Yodim Lechaïdout, nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage pour toi, En Chayavin Alachat. Ils ne sont passibles que d'un seul korban, étant donné qu'ils sont tout englobés en un seul. On connaît rien. Donc, en une seule phrase courte, ça fait une seule shvua. Par contre, shvua chez Enano Yodim, Lecha Edu, chez Lecha Beat Ploni Chitin, Us Orin et Kusmin. Nous jurons que nous ne savons pas que tu as mis en dépôt ni du blé, ni de l'orge, ni de l'épeautre. Dans ce cas-là, Chayavin, Alkol, Achat, Vachat, ils sont chayables sur chacun indépendamment, trois éléments, trois shvuot. Ok, c'est clair? Très simple. On fait très vite le Bartanura. Tsumet Yad, c'est Alva'a. Le mot Tsumet Yad, c'est un prêt d'argent. C'est-à-dire chez Sam Beyado Mamon, qui lui a déposé chez lui de l'argent, il lui a donné de l'argent dans les mains. D'accord? C'est une expression de la Torah, donc. Va'aveda, une perte. De quoi on parle exactement? Chez Masa Vedati, il a trouvé mon objet perdu. Or, bien sûr, on connaît ça, on s'en souvient depuis Baba Messia, Perek Bet, que lorsque je perds quelque chose, lui, il a un devoir de Shabbat Aveda. Il doit me le rendre. Et il est obligé de me le rendre s'il y avait quelque chose qui avait un siman. Ma montre, elle a un siman, elle a une rayure, comme ça, par exemple. Donc maintenant, il va devoir, lorsqu'il se la trouve dans la rue, il ne peut pas la prendre pour lui. Et de ce fait, s'il la prend pour lui, c'est un voleur, je peux réclamer. Et donc, je peux aussi, dans notre Mishnah, demander au témoin de venir témoigner pour qu'elle n'ait pas chez lui. Chitin, Osorin, Okusmin, trois sortes de céréales, du blé, de l'orge et du kousmine. Pourquoi? Donc le partenariat va soulever une question. Pourquoi tu as eu besoin de répéter, finalement, c'est le même principe que la Mishnah, que la première partie de la Mishnah? La première partie de la Mishnah, c'est qu'il avait quatre réclamations, et là aussi, il réclame trois choses. En réalité, le partenariat nous explique. Reisha, Ashmoinan, Min Echad, Vetviot, Halukot. Donc on a voulu prendre sous toutes les formes. Dans la Reisha, la première partie de la Mishnah, on a voulu t'apprendre qu'il réclamait une seule espèce. C'est une seule espèce, c'est de l'argent. Mais il me doit de l'argent parce que j'ai déposé en gage, parce que j'ai prêté, et parce qu'il m'a volé, et parce qu'il a trouvé mon argent. Ouais, on parle pas qu'il a trouvé mon stylo, il a trouvé mon argent. Donc en fait, on aurait pu croire que quoi? Je réclame de l'argent finalement, qu'est-ce que ça peut faire? C'est de l'argent qui vient de quatre sources différentes, mais c'est de l'argent. Du flous, de l'oseille. Ouais,
Donc finalement, c'est une zone de réclamation. Donc la Mishnah est venue t'apprendre, non, puisque tu viens en réclamant sous quatre sources différentes, pourquoi c'est de l'argent? Donc ces quatre réclamations, ça impose quatre shvuot. Veseifa shmoinan, et dans la seifa, la deuxième partie de la Mishnah, on a besoin de t'enseigner tvia achat, que c'est une seule réclamation d'avoir déposé en dépôt, mais au minimum chaloukim, des espèces différentes à l'intérieur de cette même réclamation, puisque c'est trois espèces différentes, et malgré tout, tu seras khayav de trois korbanot, ou bien d'un seul korban, si selon ton expression, selon ce que le témoin a répondu, s'il a tout englobé ou pas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.